Veillez à respecter la notice des produits. Portez-vous bien. Nous ne sommes pas responsables des départs manqués. J'ai d'autres clients qui attendent. Dépêchez! Je devine à votre présence que mes amis Uldin et Zilix ont échoué. Quel dommage. J'aurais dû savoir que Barras n'est pas un homme de confiance. Je suis un homme de parole. Je suis ici, seul, comme convenu. Votre maître a prouvé qu'il est un lâche en vous envoyant à sa place. Il m'envoie tuer les gens à sa place. Vous débutez dans la force, vous n'êtes qu'un apprenti. Je suis un maître Jedi accompli. C'est pas très juste pour vous. Vous êtes le pion de Barras. Un pion particulièrement ingénieux et puissant, certes, mais seulement un pion. Je dois vous éliminer. Quand je me serai débarrassé de vous, Jessa apportera la preuve nécessaire pour ouvrir les yeux du Conseil Jedi et démasquer le réseau d'espions de Barras. Vous parlez du réseau que vous avez inventé dans votre tête. Je ne perdrai pas une seconde de plus à cause de vos mensonges. On doit en finir maintenant, Sith. Ah.
Oh, la force est très puissante en vous. Je dois aller plus loin. Libérez votre colère. C'est le seul moyen de me vaincre. Non ! Ce n'est pas juste ! Succombez ! Vous devez vous incliner devant moi ! Je ne m'incline devant personne ! Ma blessure est mortelle, Sith. Au moins, je meurs en sachant que vous ne trouverez jamais Jessa. Excellence, Dark Barras nous a envoyé au cas où vous auriez besoin d'aide. Mais apparemment, ce n'est pas le cas. Il a dit que Nomenkar devait rester en vie. Vous voulez qu'on le stabilise ? Non ! Barras soit maudit ! Je veux mourir ! Alors Jessa sera en sécurité. J'en ai pas fini, Kar. Vous souffrirez comme personne n'a jamais souffert. Que la force me protège. On le sauvera, Excellence. Puis on vous laissera. On se retirera dans une pièce adjacente. Faites vite, messieurs. Le Jedi est en train de mourir. Ah ! Torturez-moi autant que vous voudrez, Sith. La douleur intensifie ma haine. Ma rage. Vous, je vais vous tuer. Vous et votre maître ridicule. Vous êtes mort. Vous m'entendez ? Mort ! Quel plaisir de vous entendre cracher un tel venin, Jedi. Je vous en prie, continuez. Votre suffisance m'insulte. Vous ne valez pas mieux que moi. Libérez-moi, que je vous étripe. Excellence, le Padawan est arrivé. Elle a l'air plutôt perturbée. Écartez-vous et laissez-moi m'occuper de ça. Sith ! Vos hommes dehors m'ont laissé passer. J'imagine que je suis attendue. Arrêtez vos attaques sadiques sur mon maître. Tout de suite ! Jessa, non ! Je t'ai dit de rester tranquille. Comment oses-tu me défier ? J'attends ce moment depuis longtemps. Mon travail est gâché. Mon sacrifice n'a servi à rien. Petit imbécile. Malgré ton pouvoir, tu n'as rien compris. Que lui avez-vous fait, Sith ? Il avait ça à l'intérieur de lui depuis le début ? Non, c'est impossible. Personne ne peut dissimuler une telle noirceur. D'une façon ou d'une autre, vous avez fait de lui un fou furieux ! Je n'ai fait que mettre au jour ce qui se cachait à l'intérieur. C'est comme ça que vous considérez ce que vous avez fait ? Vous avez tué Maître Yonlak. Et mes parents. Et vous avez fait de mon maître un monstre ! J'ai senti toutes les atrocités que vous lui avez imposées. Et ça doit cesser maintenant. Arrête-moi. Attaque-moi. Et tue-moi. Non, je... C'est encore un piège. Ne me tentez pas, Sith. Je ne vous laisserai pas jouer avec moi. Prouve que tu as raison. Détruis-moi. C'est la seule solution. Sinon, ton maître et toi, vous allez mourir ici. Je vous ai prévenu. Attendez ! Qu'est-ce que j'ai fait ? Jessa, non ! Préparez-vous à mourir, Sith ! Thank you.
tellement frustrant. Je ne peux pas vous vaincre. C'était des mensonges. Tout. Il m'a dit que le côté lumineux était plus fort. Que c'est pour ça que je peux voir derrière le masque de ceux qui sont dans l'obscurité. Mais c'est pas vrai. Je peux pas lutter contre vous. Le côté obscur est de toute évidence plus fort. Tu n'as pas terminé ta formation, Jessa. Quand tu auras pleinement communié avec le côté lumineux de la Force, aucun Sith ne pourra te résister. Vous êtes un maître de la lumière. Pourquoi n'avez-vous pas pu me vaincre ? Toute ma vie, j'ai dû supporter la tromperie et l'illusion. Je croyais que les Jedi étaient différents. Vous m'avez prouvé le contraire. Vous m'avez montré Maître Carr tel qu'il est. C'est votre pouvoir qui révèle la véritable nature d'une personne. La peur que vous inspirez force la vérité à faire surface. C'est ce que je veux. Tu seras mon apprenti, et je t'apprendrai à vivre du côté obscur. Je suis honorée, Excellence. Enfin, j'ai un objectif. Quelque chose sur quoi compter. Qu'attendez-vous de moi ? Et qu'allons-nous faire de Maître Carr ? Ta première mission, maintenant que tu es sous mes ordres, c'est de tuer ton ancien maître. Vous voulez que je le tue ? Je ne sais pas... Je ne veux pas que tu le tues. Je te l'ordonne. Oui, Excellence. Jessa, le Sith est en train de faire de toi une meurtrière. C'est dans l'intérêt de tous. Un principe que les Jedi évoquent souvent pour justifier leurs actes, non ? C'est fait, Excellence. Nomen Carr n'est plus. Laisse la culpabilité, l'euphorie et l'amertume te nourrir. Mes émotions sont vives, mais je ne me suis jamais sentie plus vivante. J'ai goûté au sang. J'ai hâte de renouveler l'expérience avec votre prochain ordre. Thank you.
Je suis vraiment honoré de servir quelqu'un comme vous, maître. J'ai senti la mort de Nomenkar depuis l'autre bout de la galaxie. Je dois avouer qu'après toutes ces années, être débarrassé de lui, ça m'a fait un choc. C'est pas tous les jours qu'on rencontre un adversaire à la hauteur. Ne t'inquiète pas, un bon Sith se fait toujours de nouveaux ennemis. Je vois que tu as une nouvelle passagère. Jessa Wilsam, j'imagine. Oui, c'est exact. Je sens son dévouement à ton égard, apprenti. Comment y es-tu parvenu ? J'ai eu le meilleur des professeurs, maître. Excellent. Le disciple parfait. C'est indéniable, tu es passé maître dans l'art du côté obscur à présent. Seuls les plus accomplis d'entre nous deviennent des seigneurs parmi les Sith. Tu as largement mérité cette distinction. Je te confère donc le titre de Seigneur Sith. Je suis honoré. Ce sont tes services exemplaires qui t'honorent. J'accorde une très belle récompense à ceux qui atteignent ce rang sous mes ordres. Profites-en. Maintenant, faites ça comme tu voudras, puis rejoins-moi ici sur Dromundkas. J'ai de grands projets pour nous. Waouh, un seigneur. Je suis impressionné. Félicitations, Excellence. Vous m'avez beaucoup aidé, tous les deux. Servir est une récompense en soi. Ouais, s'il le dit. J'ai déjà préparé les appartements de Jessa. Je vais aller lui faire visiter. Tu as raison de prendre des initiatives. Je suis là pour vous aider. Venez, Jessa, on va aller vous installer. Quand vous aurez besoin de moi, Excellence, et quels que soient vos ordres, je serai prête. Parfait. Alors, Excellence, maintenant vous avez la fille. Une victoire, si je peux me permettre, que même Barras n'avait pas anticipée. Vous êtes devenu un seigneur Sith, et votre pouvoir augmente. Que visez-vous à présent ? Pour l'instant, on obéit aux ordres. Mais bientôt, on se concentrera sur le maître. Si mes talents peuvent vous être utiles, j'espère que vous les utiliserez. Je vous laisse savourer cette réussite. Qu'est-ce qui te tracasse, apprenti ? Beaucoup de choses. Je viens à peine d'effleurer le côté obscur et c'est comme si la galaxie entière se déployait sous mes doigts. Il y a tellement de choses à découvrir et j'avoue, je suis pas sûre de savoir ce que ça veut dire être Sith. Tu dois apprendre comment les choses fonctionnent et comment faire pour me servir. Dis-moi, qu'est-ce que ça implique pour toi d'être mon apprenti ? Comment envisages-tu notre relation ? Vous êtes mon maître absolu. Quoi qu'il arrive, je vous obéis. Ma vie est entre vos mains. Quand tu feras tes preuves, je te laisserai plus de marge. Si toutefois tu satisfais mes exigences. Je méprise la voix des Jedi. Plus j'avançais avec Nomenkar, plus je me sentais restreinte. Toute ma vie, je me suis sentie bridée, séquestrée. À toujours devoir surveiller mes paroles, à considérer mes émotions comme mon pire ennemi. Le côté obscur et ma liberté. Je vais exprimer ce que j'ai en moi. Nous sommes convaincus que donner libre cours à nos émotions nous rend plus forts et dévoile notre potentiel. Quand vous me parlez, je sens la fierté et l'espoir m'envahir. Je pourrais vous demander quelque chose. Inutile de prendre des pincettes avec moi, Jessa. Votre disponibilité est une aubaine. C'est à propos de la Twi'lek, Vett. On peut lui faire confiance ? Elle a l'air un peu faible. Je n'ai aucun problème avec Vett, et tu ne devrais pas en avoir avec elle. Je suis sûre que vous maîtrisez la situation. Je voulais pas vous manquer de respect. Je vois que j'ai beaucoup à assimiler. Votre prévenance me va droit au cœur. Merci. On reprendra cette conversation plus tard.
Bien sûr, maître. Je suis content de vous revoir, maître. J'ai remis une couche de peinture dans mon quartier. Tu voulais me parler ? Y a rien de grave. Je pensais juste à ce qui s'est passé sur Nar Shadda, avec mon ancienne bande. Quand j'ai vu Taunt flirter avec vous, je sais pas. C'était bizarre. Ça fait toujours bizarre de voir les gens qu'on connaît dans leur vie personnelle. Ouais, peut-être bien. Taunt a toujours flirté avec nos copains. Ça m'avait jamais rien fait jusque-là. Tu étais peut-être juste d'humeur bizarre. Laissons tomber, alors. Faisons autre chose de notre temps. Vous savez, c'est sympa d'avoir une famille de substitution. Mais depuis que j'ai revu la bande, ma mère et ma sœur me manquent. C'est bizarre, vu que mes souvenirs sont super vieux. Je me rappelle les souvenirs plus que les événements eux-mêmes. Ce que je viens de dire a un sens. Sur l'échelle de la bizarrerie de Vett, je te donne un 3. Et sur l'échelle des Black Seat, j'imagine que personne n'en a encore créé une. On s'en occupera plus tard. Je me demande à quoi ressemble Tiva maintenant. La dernière fois que j'ai vu ma sœur, elle avait 10, 12 ans. Ok, ça suffit. Passons à autre chose. Excellence, j'aimerais que vous parliez à Vett. Dites-lui de ne pas me déranger quand je travaille. Que fait-elle pour vous déranger ? Elle n'est pas faite pour la précision militaire. Et c'est un vrai moulin à paroles Twi'lek. Quand je poursuivais l'agent Voloren, elle a dû m'entendre parler du Moff Broisk. Et depuis, elle n'arrête pas de me harceler à son sujet. Elle glisse constamment son nom sans raison dans les conversations pour m'ennuyer. Elle dit qu'elle n'arrêtera pas tant que je ne lui aurai pas dit pourquoi je déteste cet homme. Elle veut juste vous connaître, Quinn. Ça ne vous ferait pas de mal de devenir ami. Avec elle ? Excellence, je vous en prie. Ce n'est ni opportun, ni dans l'intérêt de l'Empire de discuter du sujet avec du personnel civil. Et puis, la connaissant, lui donner des détails sur l'échec de Broisk à Druckenwell et sur le conflit qui s'en est suivi entre nous ne ferait qu'empirer les choses. Laissez-moi faire. Elle ne vous dérangera plus. J'espérais que vous diriez ça, Excellence. Merci. Dernier seigneur de l'arsenal de l'Empereur est de retour. Tu tombes bien, j'ai besoin de toi. Mon maître au Conseil Noir, Dark Vengen, veut la guerre. Pas un petit accrochage en marge du traité de Coruscant, mais une guerre ouverte. Vengen m'a chargé de trouver un moyen de convaincre les membres du Conseil de mettre un terme au traité. Plus vite on libérera nos coups, plus vite la République tombera. La République est plus forte que tu ne le penses. Sinon, l'Empereur n'aurait jamais conclu de traité de paix. Mais j'ai peut-être trouvé l'occasion d'inciter le Conseil et l'Empereur à passer à l'acte. La plupart pensent que notre incapacité à trouver et à vaincre un homme, le général Karastas Gon, nous a privés d'une victoire franche et massive, et nous a forcés à négocier la paix. Dites-moi que vous avez trouvé cet homme, et que je vais le tuer. Le général Gon agit dans l'ombre. Tel un fantôme, il empêche seul les systèmes périphériques de tomber entre nos mains, après avoir ignoré pendant des années où il se trouvait. Je viens d'apprendre qu'il doit rencontrer des agents doubles de l'Empire sur Nar Shadda. Tu iras là-bas et tu le tueras. Ça m'a l'air simple. Ordonner sa mort pourrait avoir de lourdes conséquences politiques. Ne prends pas ça à la légère. Sans Gon, les systèmes périphériques tomberont. En contrôlant les planètes éloignées, nous aurons un avantage considérable. Alors, direction Nar Shadda.
et déroule le tapis rouge de Dark Vengen en vue de la guerre.